Bonjour, je suis content d'être de retour à l'hôtel Ryugaroe où j'ai passé de bonnes vacances en juin dernier. Il y a du vent, mais c'est bien. Ça va avec la nature. L'hôtel Ryugaroe me plaît car c'est un hôtel où la nature est importante, où les arbres sont importants. En tant que client vacancier, je suis dans la verdure, dans la nature. Je pourrais presque cueillir les fruits du jardin, mais je ne le fais pas. Je me contente de les admirer pour que chacun des usagers de l'hôtel en face d'eux-mêmes. C'est un bel endroit avec une belle piscine, la petite piscine pour les plus petits et la plus grande piscine où l'on peut faire des ronds, nager en rond, dans un sens, dans un autre sens, faire du rétropédalage comme Macron, qui nage à droite, nage à gauche, nage à droite, c'est un spécialiste du rétropédalage, une nage bien utile quand on a besoin de ne pas nager droit. Mais un ascenseur comme celui-là, eh bien, ça monte tout droit pour permettre d'accéder aux étages supérieurs, avoir une vue panoramique ici sur une belle église. Je vous en ai montré des séquences dans un documentaire précédent. Cherchez sur mes documentaires du mois de juin 2022 et vous retrouverez ces paysages qui, en l'espace d'un été, n'ont pas changé. J'occupe exactement la même chambre au troisième étage parce que j'en ai été content, et quand je suis content, eh bien, je reviens aux endroits où j'ai eu plaisir à aller. Et là, je descends au sous-sol, au centre de forme, de mise en forme, de remise en forme. Il y a plusieurs piscines, celle-là est tempérée, juste à côté il y en a une qui est franchement en eau froide, et j'utilise cette piscine avec mes connaissances de masseur kinésithérapeute, je travaille à Toulon, et surtout mes connaissances d'ancien maître nageur sauveteur. Je me sers de l'eau comme une amie. Et puisque nous sommes encore en phase de Covid, eh bien, pensez au masque. En Espagne, il est obligatoire dans les transports. Et là, dans cette piscine, à bulles ou sans bulles, eh bien, l'eau pique un peu les yeux. Donc, avoir un masque, c'est quand même utile. Et quand vous êtes dans une petite piscine, eh bien, faites des exercices d'activation de la forme. Inventez-vous des exercices ou bien reproduisez ce que je vous montre. Le rétropédalage, la nage des maîtres nageurs sauveteurs et, je vous l'ai dit, la nage de Macron qui tourne à droite, qui tourne à gauche, qui tourne à nouveau à droite, qui tourne un peu de tous les sens. Et lorsque vous avez fini de nager, une douche froide, ici avec un seau qui vous tombe sur la tête et sur l'ensemble du corps, eh bien ça vous redynamise un peu plus. Superbe coucher de soleil, l'heure magique. J'apprécie cet instant fugace. Et je le partage avec vous. La nuit tombe, il est l'heure de dîner
Eh bien, descente par les escaliers pour entretenir la forme jusque au rez-de-chaussée. Et là, c'est l'heure des tentations, car il y a tellement de bonnes choses que si on goûte à tout, eh bien, on se transforme rapidement en éléphant. Vous savez qu'un éléphant, ça trompe énormément. Voilà ma première assiette avec des pâtes, une petite part de pizza. Là, au niveau des différentes pommes de terre, eh bien, je prends ces pommes de terre rondes, toutes petites, salées. C'est une spécialité des Canaries. Et pour le reste, eh bien, j'hésite entre des légumes de ceci, ou bien une viande, ou bien une autre viande, et peut-être même deux viandes, et accompagnement. Quel accompagnement! Nous, les clients, nous avons l'embarras du choix. Voilà mon assiette numéro 2. J'ai réfléchi à ce que je mets dans mon assiette, parce qu'ensuite, je le mets dans mon ventre. Et je trouve que à 72 ans, je n'ai plus la taille fine de mes 20 ans. Mais c'est vrai que plus de 50 ans se sont passés et je fais quand même attention à mon coup de fourchette pour avoir la forme et des formes correctes. Et c'est ce que je conseille à mes patients en tant que kinésithérapeute. Surveillez votre alimentation à l'hôtel Riou Garoué. Prenez au moins 5 fruits par jour. C'est un buffet. Je vous dis à bientôt. Merci.